Évidemment, c'est la cause des femmes, c'est une cause que j'ai portée aux Échos. Tu vois, j'ai fait beaucoup de portraits de femmes entrepreneurs. J'ai toujours fait attention à ce que dans les pages, elles soient représentées. Donc, c'était un espèce d'alignement des étoiles. De toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les études montrent que plus t'as de diversité dans une équipe, plus elle est performante. Donc la diversité, c'est sur le genre, c'est sur l'origine sociale, c'est sur... Enfin, tu vois, il faut essayer d'être un maximum diverse. Mais il y a aussi un enjeu de faire en sorte que les femmes qui entreprennent se projettent dans des roadshows, des levées de fonds et viennent vous voir. Parce que le deal flow que vous recevez, il n'est pas nécessairement significatif du nombre de femmes qui créent des startups. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas lever des fonds. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, c'est Sophie qui vous parle aujourd'hui, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Build a City for Good. Je suis accompagnée d'un acolyte, Pierre-Éric, qui sera en duo avec moi pour l'épisode du jour. Hello Pelle. Bonjour Sophie. On a l'immense honneur de recevoir l'une des femmes les plus actives de la scène de l'écosystème français. Elle est notamment à l'origine de la liste des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021, mais pas que. Elle fait bouger les lignes dans la mixité avec passion et énergie, et on s'apprête à passer une trentaine de minutes avec elle, pour voir comment. Vous avez peut-être deviné qui se cache derrière cette courte description, peut-être pas. Eh bien, c'est Déborah Loy qui est à nos côtés pour ce nouvel épisode. Hello Déborah. Hello. Salut Déborah. Hello Pelle. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Est-ce que tu es bien installée? Je suis hyper bien installée, on est toujours bien chez Daphne. Petite précision, hein, c'est pas moi qui suis à l'origine de la liste, c'est Starter, c'était bien avant que j'arrive. Je rends... Merci de me corriger. Espérons que ce soit la seule erreur de ce podcast. Avant de commencer et de t'écouter à parler de tes nombreuses causes qui te tiennent à cœur, tes combats, tout ce qui t'anime, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Déborah enfant? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Alors moi, j'ai grandi dans une petite station de ski en Suisse qui s'appelle Grimens, dans le Val d'Anniviers. Très bel endroit pour aller skier. Je vous le conseille vivement si vous aimez la montagne. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que tu as des passions? J'ai plein de passions, je viens de la culture à la base, j'adore le théâtre, j'y vais beaucoup, j'en ai fait pendant plusieurs années, j'en fais plus. T'as failli devenir actrice, comédienne professionnelle, tu nous as dit. Ouais, c'était mon rêve pendant... Et pourquoi tu l'as abandonné alors finalement? Pendant près de 10 ans. Écoute, tu sais, un peu comme tu te réveilles à côté d'un vieil amant en te rendant compte que tu l'aimes plus... Je me suis réveillée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En me rendant compte que j'aimais plus le théâtre. Non, mais tu sais pas, dans la vie, il y a des trucs qui te passionnent pendant des années et un jour, en fait, tu te rends compte que c'est plus le cas. Et ça a vraiment été le cas, le théâtre, ça a vraiment été ça. Pour moi, j'ai adoré ça, j'ai vécu pour ça. J'étais vraiment, pour tous mes potes, la fille qui faisait du théâtre. J'ai dirigé un festival de théâtre en Suisse. Il paraît que c'est un milieu super dur, où les gens sont pas obligatoirement très bienveillants entre eux, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu réussiras pas dans ce métier parce que t'as pas assez d'ego. Et c'est peut-être pas faux. Je pense que j'ai quand même un peu d'ego, mais peut-être pas assez pour... Suffisamment. Ouais, pas suffisamment. Donc, c'est ton moteur, l'ego, hein, quand t'es comédien. Et moi, c'est pas mon moteur, l'ego. Donc, tu commences dans un petit village suisse, près d'un autre village que je connais bien, qui s'appelle Lassage. Tu fais du théâtre, et après? Et après, donc, bon, des années d'errance. Non, des années où je me pose beaucoup de questions sur ce que je vais faire, parce que vraiment, j'étais partie pour ça. Heureusement, j'avais quand même décidé de faire des études. J'ai toujours été très bonne élève. Et j'ai toujours eu envie quand même de faire des études. Et donc j'étais à l'université de Fribourg, qui est une super université en Suisse, où j'étudiais la littérature francophone et hispanophone, en me disant, moi je fais mes 3 ans de bachelor et derrière je ferai une école de théâtre. Entre temps, je me rends compte que j'ai plus envie de faire ça. Et la grosse réflexion, je sais pas, j'ai réfléchi à plein de trucs, à aller bosser dans le marché de l'art. Enfin, je me suis posé plein de questions jusqu'au jour où il y a 2 choses qui sont arrivées en même temps. L'économie. Complètement par hasard, un jour je lis un journal, c'était en 2000, je sais pas, autour de 2012, un truc comme ça. Donc 4 ans après la crise, on subissait toujours les conséquences, j'imagine que tu t'en souviens. Et je me souviens d'avoir lu un article, d'avoir rien compris au tenant et aboutissant de cette crise, qui avait un énorme impact sur la vie de beaucoup de gens, et de me dire ça m'énerve de pas comprendre. Et là, j'ouvre le programme de la fac d'économie de mon université. En Suisse, quand t'es à l'université, t'as la chance de pouvoir aller en auditeur libre voir tous les cours, quoi.
Et il y avait un cours de macroéconomie. Maintenant, t'as Coursera. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais petite bon, pub. J'avoue que moi, j'ai tellement adoré mes années d'études que je ne sais pas si c'est la même ambiance sur Coursera. Mais en tout cas, voilà, je vois un cours de macroéconomie. 20 minutes après, dans un bâtiment qui était à un quart d'heure d'où j'étais, je me suis dit, allez, j'y vais. Je me suis pris de passion pour le prof. J'ai adoré ça. Et donc, j'ai fini par faire un double diplôme en littérature en économie politique. Et en même temps, j'ai découvert le journalisme. Je ne sais même plus comment. J'ai fait un stage dans une rédaction, mais je ne sais même plus comment, pourquoi j'ai postulé. Enfin, je ne connaissais pas du tout le métier. Et à la fin de la première semaine, le rédacteur-chef de la rubrique où j'étais, la rubrique région, me dit « Je pense que tu es faite pour ça, il faut que tu continues. » Et donc, j'ai continué à aller faire des piges. J'avais un jour par semaine où je n'avais pas de cours. Donc, j'allais faire des piges. Et à l'issue de mon bachelor, ils m'ont proposé CDD sur CDD. Donc, au final, je suis restée 2 ans dans le journal. Donc, journalisme. Après, tu es revenue aux études avec Sciences Po, c'est ça? Ouais. Après, ben, voilà, l'interrogation, c'était « Est-ce que je continue à la liberté ou est-ce que je finis quand même mes études ?» Je me suis dit, j'ai quand même envie de finir mes études. Et j'ai candidaté dans plusieurs facs, dont plusieurs masters en Suisse et un master à Paris, le master en journalisme de Sciences Po. J'étais sûre que je ne serais pas prise. Je me souviens très bien d'avoir hésité à envoyer mon inscription. Tu n'avais pas assez de confiance en toi et d'ego, c'est pour ça que tu as arrêté le théâtre. Le théâtre, c'est fini pour ça. C'est ça. Pas assez d'ego. Non, mais je me souviens que ça coûtait 100 balles, 100 euros de s'inscrire à Sciences Po et que j'ai failli pas le faire en me disant je vais perdre 100 balles. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait tout le dossier, donc je l'envoie. Il y a plein d'autres moyens de perdre de l'argent. Si tu peux investir dans les NFT à balles ou d'en gagner beaucoup. C'est ça. Donc voilà, et finalement, c'était quand même un bon investissement, c'est 100 euros, parce que j'ai été prise. La même semaine, La Liberté m'ont proposé un super poste, qui était le poste de responsable du service économie du journal. Franchement, j'adorais cette rédaction. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont été mes mentors pendant plusieurs années. Et donc, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, non, allez, je pars à l'aventure. Et donc, tu es arrivée à Paris. Et depuis, Les Échos et Sista. Ouais, et depuis, donc, je suis rentrée en master à Sciences Po. Assez dur de repartir sur des études après avoir bossé. Surtout que c'est des états d'esprit très différents. Enfin, l'université en Suisse, c'est très 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 exigeant. Les examens sont très durs. T'as pas de. En Suisse, t'as 20%. Pas en France, en fait. Donc Sciences Po, une fois que tu y es, c'est pas plus du tout exigeant. C'est ça que tu. Ben, enfin, les grandes écoles en France. Non, mais je trouve que c'est dur d'y entrer. C'est une blague, mais honnêtement, non. Pardon, mais non, mais enfin, une fois que tu y es, c'est pas. En fait, tout le monde, personne ne loupe. Tu vois, alors qu'en Suisse, t'as chaque année, je sais pas, 30% des gens qui ne passent pas à l'année suivante parce qu'ils loupent leurs examens, tu vois, c'est hyper dur. En France, c'est plutôt une fois que t'es rentré dans une école, faut quand même faire un effort pour pas passer ton année, quoi. Enfin bon, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Et surtout, voilà, l'état d'esprit du coup est très différent parce qu'on valorise beaucoup le fait que tu sois en cours, donc on te fait signer des feuilles de présence et tout. Alors que moi, tu vois, à la fac, j'avais 5 petits boulots, je dirais, genre un festival de théâtre, je gérais mes cours, tu vois, comme je voulais. Donc un peu dur, quand même génial parce que l'institution est incroyable, tu rencontres des gens extraordinaires, voilà, t'étudies à Saint-Germain-des-Prés, donc il y a quelque chose d'hyper stimulant. Mais je me suis vite dit, il faut que. Bon, déjà, bon, le truc, c'est que j'étais arrivée avec les moyens de seulement payer ma première année de master, parce que c'est quand même 13 000 euros quand tu viens de l'étranger, tu peux pas avoir accès au prix moins élevé, même si tes parents n'ont pas de moyens. Donc j'avais 13 000 balles à mettre pour ma première année et j'avais pas de quoi payer ma deuxième année. Je m'étais dit, je vais trouver un moyen sur place. Et là, j'ai appris qu'on pouvait faire un apprentissage. Je me suis dit, génial, déjà, ça va financer ma deuxième année, sinon, ben, j'ai pas d'argent. Et ça va me permettre de recommencer à bosser. Et donc, je suis rentrée aux Échos comme ça. Et, en apprentissage. D'abord en stage, après en apprentissage. Et directement et tout de suite dans l'équipe de Guillaume Bergeras. Non, j'étais aux EcoStart à l'époque. J'ai fait partie de l'équipe qui a presque lancé. Je suis arrivée quelques mois après le lancement des EcoStart. Et c'était génial. Donc, j'ai fait mon apprentissage là-bas. J'ai passé un an après aux EcoStart. Et ensuite, je suis passée sur le quotidien, le vaisseau amiral des Échos avec Guillaume. Super. Intéressant. Et Pel, tu m'avais parlé en off du journalisme d'investigation sur notre écosystème. Ah ouais, tu veux directement commencer par ça? C'est trop dur. En fait, après on parle quand même vachement de Sista, mais ouais. Quelle est ta vision du journalisme avec après les 4 ans passés aux Échos, qui est quand même un journal de référence? Est-ce que vous avez encore le temps de creuser les sujets? Et nous, on se posait la question de se dire, finalement, même dans notre écosystème, l'information, elle n'est jamais traitée de manière très immédiate, très rapide.
Et il y a assez peu d'investigations autour, autour de plein de sujets qui mériteraient peut-être d'être plus approfondis. Mais tu étais bien mieux placée que nous pour faire le bilan après ces 5 années en tant qu'actrice du sujet. Donc, t'en retires quoi? J'ai eu la chance d'évoluer dans une rédaction qui, je pense, est vraiment une des meilleures de France avec des journalistes exceptionnels. Le problème que les médias ont aujourd'hui, et c'est pas en dehors des échos, hein, c'est tout le monde, c'est que c'est les algos, quoi. C'est qu'en fait, t'es obligé de faire du volume pour remonter dans les algos de Google, des réseaux sociaux, etc. Donc, vu que t'es obligé de faire du volume, tu passes relativement peu de temps sur chacun de tes papiers. Si tu passes du temps sur un papier, en général, c'est un peu le soir et le week-end, quoi. Donc, ça dépend beaucoup de la volonté aussi des journalistes. De prendre le temps pour le faire un peu en dehors du quotidien. Aux Échos, il y a un service enquête de gens qui sont dédiés à ça et qui font vraiment que des enquêtes. Et je pense que c'est hyper important. Et donc, c'est eux qui sortent, tu vois, les grosses infos. Enfin, c'est pas que eux qui sortent les grosses infos. Tous les journalistes sortent des infos parce que t'as des rubricards. Mais en tout cas, eux ont vraiment le temps, tu vois, de creuser les sujets. Sur le quotidien, c'est sûr que t'es à un rythme de entre un et deux articles par jour. Donc, c'est un volume important. C'est compliqué. Moi, je pense que. Donc, tu traites que l'info chaude ou principalement l'info chaude et... Tu traites beaucoup l'info chaude et en plus, t'es un journal d'actualité. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est d'être dans l'actualité du jour, quoi. C'est pas. Nous, notre objectif n'était pas de faire du tiède ou du froid. Comme t'es rubricard et que tu bosses sur un sujet, enfin, en l'occurrence, les startups, c'est large, mais tu vois, Guillaume et moi, on faisait vraiment que ça. Tu commences à quand même bien connaître l'écosystème et donc tu arrives à avoir un regard critique et à sortir des infos. Et ça, c'est vraiment une chance aux Échos parce que c'est pas le cas dans tous les médias. Tu vois, il y a des médias où les gens couvrent des sujets beaucoup plus vastes que ça. Maintenant, il y a un vrai sujet de volume, à mon avis. Enfin, mais le problème, c'est que c'est pas cohérent avec la réalité des algorithmes. Donc, c'est un vrai dilemme. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle du journaliste est plus de trier que de faire du volume. Je pense qu'on reçoit beaucoup trop d'informations tous les jours, qu'on n'arrive pas à tout lire, qu'on n'arrive pas à tout traiter. Et à mon avis, le rôle des médias aujourd'hui est beaucoup plus de faire un tri et de dire à ses lecteurs, voilà, aujourd'hui, de la curation. Non, pas de la curation. Tu traites toi-même. La curation, ça veut dire que tu prends l'information des autres et tu la mets en forme. C'est pas de la curation, c'est de toi-même décider dans le flot d'informations que tu reçois en tant que journaliste, quels sont les sujets que ton lecteur devrait lire, en sachant que je pense, enfin, honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lisent plus de 3 articles par jour? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent tout un journal? Je suis pas convaincue, peut-être. Mais à mon avis, si on arrivait à des médias qui font ne serait-ce que 3 articles par jour, hyper targetés et hyper fouillés, je pense que pour les lecteurs, ce serait plus intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le rôle des médias, plutôt que participer au volume d'informations énorme qui nous écrase un peu en tant que citoyens. Mais c'est compliqué d'émerger après, derrière, sur les réseaux sociaux et sur Google, qui sont quand même un peu le nerf de la guerre, donc difficile. Ok. Et alors, raconte-nous le cheminement vers Sista. Alors, comment t'as été... je sais pas s'il y a eu un processus de sélection... Et pourquoi t'as quitté le journalisme aussi, du coup? Ouais, c'est vrai que quand tu passes 5 ans avec des entrepreneurs, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que ça donnerait si moi, je passais de l'autre côté de la barrière. Ça m'a un peu titillé. Surtout que j'avais déjà été dans l'action, avec le festival de théâtre, notamment que j'avais dirigé quelques temps en Suisse. Et je savais que j'aimais ça. Ça a été une question depuis le début pour moi, le journalisme. Est-ce que je vais supporter de rester observatrice? La réponse est, je l'ai supporté quelques années et après plus. Mais ça reste un métier que j'adore. Je n'exclus pas de peut-être le refaire un jour. Franchement, j'en sais rien. J'adore ce métier. L'industrie est difficile. C'est économiquement très compliqué pour les médias. Et donc, voilà un peu ma réflexion autour du journalisme. Tu me demandais pourquoi j'ai quitté le journalisme. Et donc, au milieu de cette réflexion, y avait plein de pistes. Est-ce que je monte une boîte? Est-ce que je fais de l'investissement? Je me suis posé la question à un moment donné aussi. Est-ce que j'essaie d'aller voir les fonds? Plein de questions. Et un jour, on discute avec Tatiana et elle me dit, en fait, on va chercher quelqu'un pour structurer Sista. Je me suis dit, mais c'est parfait. Enfin, je savais que je voulais avoir un rôle un peu macro dans l'écosystème. Je voulais pas passer à un truc, tu vois, en tant que journaliste, tu vois beaucoup de choses, tu rencontres beaucoup de gens. Je me voyais pas passer dans un rôle hyper micro à faire toujours la même chose, tu vois, dans une start-up par exemple.
Et ça correspondait juste parfaitement. Évidemment, c'est la cause des femmes, c'est une cause que j'ai portée aux échos. Tu vois, j'ai fait beaucoup de portraits de femmes entrepreneurs. J'ai toujours fait attention à ce que dans les pages, elles soient représentées. Donc, c'était un espèce d'alignement des étoiles. Et on a eu un super fit avec Tatiana, un super fit avec Céline. Est-ce que peut-être en deux mots, tu peux rappeler la mission de Sista pour nos auditeurs ? Oui, absolument. Donc, Sista, c'est un collectif qui a pour objectif de faire émerger une nouvelle génération de leaders diversifiés en réduisant les écarts de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon une étude qu'on fait avec le BCG, les femmes ont 30% de chances en moins de lever que les hommes. Quand elles lèvent 2,3 fois moins. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as 90% des fonds investis dans les startups en 2020 qui ont été dirigés vers des équipes fondatrices 100% masculines. Et donc, la mission de Sista, c'est de rétablir un équilibre dans cet écosystème-là. Moi, franchement, c'est des chiffres qui m'avaient complètement sidérée la première fois que je les avais entendus quand j'étais aux Échos. On sentait, hein, tu vois, en plus, moi, je couvrais les sujets blockchain aux Échos. Donc, autant te dire que dans les events, on était souvent, soit j'étais la seule femme, soit il y en avait une autre, quoi. Donc tu le constates, mais quand t'entends les chiffres, enfin tu vois, 90% c'est écrasant, quoi, c'est énorme, et tu te dis, ouais, y a vraiment des choses à faire. Donc voilà, c'était l'alignement des étoiles, et je suis une nouvelle fois, j'ai sauté dans le vide et je suis partie à l'aventure. Et alors, comment tu peux nous expliquer la gouvernance de Sista, comment vous êtes organisé, quel est ton rôle et la mission, enfin la feuille de route que vous êtes fixée à très court terme? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je suis CEO de Sista. Au bureau, il y a les fondatrices de Sista, donc Céline Lazorte et Tatiana Jama. Il y a la fondatrice de Starter avec qui on a fusionné en juin 2020, donc Roxane Varza, qui dirige aujourd'hui Station F. Et puis notre trésorière, Raphaël Martin-Neuville. Et ensuite, on a un board avec des femmes extraordinaires. La troisième fondatrice de Sista est au board, Valentine de Lastérie. Et puis, on a des femmes comme Mercedes Serra, Stéphane Palaise, Nathalie Bala, qui sont à ce board également. Donc, voilà comment on fonctionne. La feuille de route, aujourd'hui, c'est... On a les principales actions de Sista au début, ça a été de mettre de la donnée sur le problème, donc c'est-à-dire de travailler avec le BCG pour faire tous les ans un baromètre qui objective en fait le sujet, pour dire c'est pas une question de ressenti, c'est juste une question de chiffres, et voilà, on a l'habitude dans cet écosystème de travailler avec les chiffres, donc quand on les met face à nous, on peut pas en débattre. Ça a été de faire signer les chartes Sista, que Daphné a signé d'ailleurs, qui engage les investisseurs à financer 25% de femmes d'ici 2025. Donc, au moment où je suis arrivée, il y avait 130 acteurs de l'investissement qui avaient signé ces chartes. Et l'enjeu, c'était comment on structure le projet pour le pérenniser et pour faire en sorte qu'on arrive en fait à cet objectif. Concrètement, aujourd'hui, on active plusieurs leviers, parce que je dis souvent, c'est un problème multicausal et complexe. Donc, on active un maximum de leviers en même temps pour y parvenir. On a une activité de lobbying, on a une activité auprès des femmes entrepreneurs avec une communauté qui s'appelle Sista Entrepreneureux et qui sont des femmes qui entrent et à qui on ouvre vraiment tout le réseau Sista. On a une activité avec les fonds, les Sista Investor Ally, dont Daphne fait partie aussi, qui sont des fonds qui veulent vraiment aller plus loin avec nous, qui nous soutiennent en adhérant à Sista et qu'on forme au biais cognitif. Tu peux nous faire un petit retour, si tu veux, sur l'après-midi que tu as passé avec nous pour te former. Non, mais c'est biais cognitif, c'est qu'en fait, on est tous hyper influencés par nos inputs. Et les inputs, c'est notre enfance, notre éducation, nos lectures. Et donc, c'est hyper intéressant de comprendre d'où viennent ces biais. Et finalement, ils viennent d'une database qui est différente entre chaque individu. Exactement. Et c'est ça qu'il faut corriger. Après, pour revenir sur les chiffres, tu vois, nous on a plutôt un biais cognitif inverse, c'est-à-dire quand on a des entrepreneurs femmes, on est plutôt super motivés parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, la stat, dans notre base de données, je crois, quasi maintenant 11 000 deals. Et sur les 11 000 deals, c'est moins de 10% de projets qui ont été fondés par des femmes. Qui ont candidaté, donc qui ont envoyé leur deck. Et donc, c'est hyper représentatif. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un déficit de projets. C'est-à-dire que nous, on est ravis. Et encore une fois, on a un biais cognitif qui est inversé avec un préjugé très positif. Quand on a des projets de femmes, on a tendance à avoir une attention particulière. Et au final, alors dans le portefeuille, on est au-delà des stats du deal flow, on doit être autour de 15-17%, mais donc la route, elle n'est pas simple pour atteindre les 25%, parce que c'est une question d'offre et de demande, et,
Et au niveau de la, alors je sais pas comment on se, de l'offre ou de la demande en fonction du côté on se situe, ouais. Bah, la proportion est trop faible. Quoi. Il y a un sujet. Donc ce qu'il faut faire, c'est encourager les femmes, ouais, à monter des boîtes. Les encourager à monter des boîtes, et il y a aussi un sujet pour les fonds d'être attractifs en fait pour les femmes et que les femmes candidatent. Parce que tu vois, le baromètre qu'on fait avec le BCG montre que en 2020, tu as 21% des startups qui ont été fondées avec au moins une femme dans l'équipe de cofondateurs. Donc ça veut dire qu'elles sont là, elles arrivent. Après, maintenant, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec vous sur ce sujet-là, avec les Sustain Investor Ally, c'est comment on fait en sorte que les fonds soient attractifs pour les femmes. On a fait un événement Inclusive Hour chez vous il y a quelques semaines. L'idée, c'est d'ouvrir vos portes et de démystifier aussi un petit peu l'univers du capital risque qui peut paraître un peu froid de l'extérieur. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, de faire venir plus de femmes dans l'entrepreneuriat, c'est indéniable, mais il y a aussi un enjeu de faire en sorte que les femmes qui entreprennent se projettent dans des roadshows, des levées de fonds et viennent vous voir. Mmh. Parce que le deal flow que vous recevez, il n'est pas nécessairement significatif du nombre de femmes qui créent des startups. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas lever des fonds. Donc c'est là où vous avez un rôle d'acculturation auprès en fait, on des a un entrepreneurs rôle... qui n'osent pas. Quoi. Il faut comprendre que le problème, il est structurel. C'est qu'il y a des femmes qui ont eu des mauvaises expériences avec des VC. Du coup, il y a une mauvaise réputation de manière générale auprès des femmes de l'écosystème du capital risque. Donc c'est comment tu travailles avec les investisseurs pour être sûr que les femmes qui sont reçues de la même manière qu'un homme, avec pas de questions bizarres, genrées, etc. Et c'est pour ça qu'on fait, tu vois, les formations sur les biais cognitifs et qu'on essaye d'expliquer que c'est normal en fait d'avoir des biais, c'est normal d'avoir plus de... Enfin, les études montrent qu'on a plus de mal à projeter le succès sur un homme que sur une femme, et il faut travailler vraiment sur la manière dont tu perçois. C'est un travail sur ta prise de décision, sur ta perception, c'est intellectuellement assez intéressant. On travaille sur le fait qu'il y ait plus de femmes qui arrivent dans l'entrepreneuriat, mais il faut comprendre qu'on est vraiment face à un problème structurel. Tu vois, c'est pas juste les femmes ne veulent pas ou les femmes n'osent pas, c'est tout un écosystème qui s'est construit de manière à ne pas être attractif pour les femmes, et donc c'est comment on renverse ça. Et on le renversera qu'en impliquant tout le monde, et c'est ça que j'aime moi dans le projet Sista, c'est ça qui m'a convaincue. Et des rôles modèles qui arrivent. Les rôles modèles, c'est important aussi, mais ça suffira pas. Enfin, tu vois, c'est, en fait, vraiment, il faut que tout le monde se mette ensemble pour avancer. Et donc, vous avez des actions au niveau des fonds, comme Daphne, par exemple, avec les Inclusive Hours, etc. Et qu'est-ce que vous faites au niveau des entrepreneurs ? Est-ce que vous avez, enfin, quels outils concrètement vous mettez en place ? Il y a des programmes Du coup, donc nous, on se positionne pas comme un incubateur ou un accélérateur, on estime que c'est pas notre rôle. On a une communauté de femmes entrepreneurs, et l'idée, c'est quand tu entres dans la communauté Sista Entrepreneur, donc c'est des appels à projets, on est assez sélectif, on t'ouvre au maximum le réseau Sista, donc on a toute une communauté d'experts sur des sujets opérationnels qui sont là pour les aider. L'objectif, c'est t'as un problème, en une demi-heure, tu peux appeler quelqu'un qui te débloque ton problème. On fait des événements tous les mois avec des entrepreneurs et des entrepreneuses inspirants de l'écosystème French Tech pour discuter à bâton rompu. Souvent, c'est juste 15 minutes de présentation, mais après, c'est surtout des échanges, des discussions pour que voilà, ça les aide à accélérer leur projet. On fait des ateliers codev aussi, où elles se retrouvent pour le coup entre entrepreneurs et elles discutent et essaient de résoudre des problématiques. Et puis, on est en train de préparer un événement là pour le printemps où on va faire se rencontrer nos Sista entrepreneurs et nos Sista Investor Live, parce que l'idée, c'est évidemment de tisser des ponts entre les deux. Et les membres, alors, c'est donc des fonds, des entrepreneurs. Ouais, pour l'instant, et... c'est ça. Ça regroupe combien de personnes à peu près ? En fait, on est vraiment en train de structurer, tu vois, nos communautés. Donc, Sista Entrepreneur, pour l'instant, il y a 27 entrepreneurs. On accueille une nouvelle promo là en novembre. C'est des promos c'est un an ? En fait, une fois que tu rentres, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Parce que justement, c'est pas un programme, c'est une communauté. Donc, l'idée, c'est de te dire, tu rentres dans Sista et tu restes dans Sista. Ouais, aussi longtemps que tu es entrepreneur et que c'est pertinent pour toi. Et notre envie, c'est que dans 10 ans, les Sista entrepreneurs qui sont rentrés maintenant aident celles qui arriveront derrière. Tu vois, qu'on arrive à créer quelque chose de positif. Ensuite, on a Sista Investor Ally, où effectivement, aujourd'hui, il y a 25 fonds qui nous ont rejoints. On est super contents parce qu'on l'a lancé, tu vois, il y a quelques mois. C'était vraiment la première année. Et on est en train de structurer un peu le reste de l'écosystème, parce qu'on a un gros écosystème qui gravite autour de nous et on a envie d'embarquer tout le monde, mais on a envie de le faire de manière cohérente. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui combien il y a de personnes dans l'écosystème Sista. Sur nos réseaux sociaux, c'est 30 000 personnes. Sur notre newsletter, c'est plus de 3 000 personnes. Et après, globalement, on a la chance d'avoir un écosystème qui a envie en fait, d'avancer avec nous, de nous soutenir. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont ambassadeurs Sista de manière informelle, qui nous aident, et qui parlent de nous, qui parlent de la cause. Quoi.
Donc, ton objectif, 25% d'ici 2025. Ouais. Donc, Macron, il avait 25 startups d'ici, je sais plus quoi, 25 licornes. Ouais. Et il va atteindre l'objectif avant la date butoir. Donc, toi, il faut que tu atteignes ça d'ici 2023. Ah, c'est pas moi, c'est toi. Hein. C'est toi, non, mais la mission que vous portez. C'est l'objectif pour les fonds qui ont signé la charte. Il y en a plus de 130 aujourd'hui. C'est l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble. Moi, je pense qu'il est atteignable, surtout si on calcule le portefeuille, tu vois. Et alors, est-ce que tu as d'autres objectifs ? Franchement, ce serait déjà pas mal. Non, c'est 25% d'ici 2025, 50% d'ici 2050. Donc, si on arrive à atteindre ça, je pense qu'on pourra déjà ouvrir le champagne, parce que ce sera une grosse, grosse progression. Et au plan européen, il y a des initiatives qui sont comparables, hein ? On est le seul acteur, à notre connaissance aujourd'hui, à attaquer le sujet vraiment de manière structurelle. Et encore une fois, c'est hyper important pour nous chez Sista. Il y a beaucoup d'acteurs qui aident les femmes entrepreneurs, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire en sorte que l'écosystème les accueille correctement. Et donc, tu as pour projet d'internationaliser la... Ouais, super. Ouais, on a pour projet d'aller partout en Europe dans les prochaines années. Ouais. Bel objectif. Et je me permets de remonter un tout petit peu en arrière. Quand tu étais aux Échos et qu'après tu as rencontré Tatiana, qu'est-ce qui t'est dit, tiens, j'ai envie de me lancer dans cette cause? Pourquoi tu as envie de résoudre ce problème? Alors bon, cette cause, je la portais depuis assez longtemps, oui, j'imagine, aux Échos, mais en fait, Tatiana est vraiment très très forte pour transmettre sa vision. Et quand tu passes une heure à discuter avec elle, t'as juste envie de la suivre. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'on a passé une heure au téléphone, c'était pendant un confinement, et elle m'a expliqué sa vision pour Sista, sa manière d'aborder les choses. Et je me suis dit, mais j'ai envie de suivre cette femme, quoi. Donc c'était ça surtout le déclencheur. Donc Tatiana est super inspirante. Ouais. Big up, Tatiana. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Chez Daphné aussi, nous, on a une communauté. On connaît un peu le pouvoir de l'entraide, etc. J'ai lu un article où tu parles de networking, à quel point c'est important pour les femmes d'aller dans des événements et de rencontrer. Comment tu leur transmets cette envie? Ouais, c'est important pour tout le monde. Il y a une étude assez intéressante qui montre que quand, en fait, ils ont fait un test où c'était un concours de pitch. Et il y a un scénario dans lequel ils confrontent les entrepreneurs à la fin au jury. Donc, il y a un petit moment de networking où ils ont l'opportunité de discuter. Le jury, c'est des VC. Et il y a un autre concours où il n'y a pas de rencontre après, quoi. Tu fais le concours et chacun part de son côté. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que l'étude montrait que le fait d'être confronté au jury à la fin favorisait les hommes, mais était neutre pour les femmes. Et la raison, selon ce qu'expliquent les chercheuses qui sont à l'origine de cette étude, c'est que les femmes ont moins tendance à aller discuter avec les membres du jury, donc les investisseurs, et moins tendance à faire du follow-up derrière. Moi, il y a un truc qu'on m'a dit il y a quelques années et qui m'a vachement aidée, c'est le networking, il n'y a pas de ROI direct. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit au début de ma carrière où j'avais l'impression qu'il fallait que tout ce que je faisais soit à l'origine d'une production immédiate pour mon entreprise. Okay. Donc, je me souviens d'un jour où j'étais invitée un peu par hasard à Roland-Garros et j'étais à une table complètement dingue. Il y avait Elisabeth Moreno, il y avait la numéro 2 de Microsoft, il y avait toi. Mais c'est vrai. Il y avait c'est toi. Incroyable. J'ai complètement oublié ça. Ouais. Désolée, je t'ai oublié. Tu vois, t'es pas celui qui a eu le plus. Tu n'as pas marqué les esprits. À côté d'Elisabeth Moreno. Mais en fait, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. C'est la première fois qu'on s'est vu. Bon, ben voilà. Cet événement, désolée, j'étais plus impressionnée par Elisabeth Moreno. Mais je t'en veux pas. Moi aussi, elle m'a impressionnée. Elle est incroyable, cette femme. Et il y avait Pelle, voilà. Et je me souviens, je sais pas de quoi tu te souviens, mais moi, je me souviens que j'étais avec mon carnet et que je me disais, attends, je vais passer 3 heures à ce déjeuner. Il faut absolument que j'en sorte quelque chose, une info, un article, un truc, tu vois. Il fallait que je produise quelque chose, quoi. Et en fait, quelqu'un m'a dit, je me souviens plus qui c'était, m'a dit mais arrête de travailler là, détends-toi, profite.
Non, Pelle, ce n'est pas toi. Je pensais que c'était toi. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Et donc, et je me suis dit, ok, et j'ai repensé à la phrase que cette autre femme m'avait dite un peu avant de le networking. Y a pas de, voilà, il faut accepter en fait de passer du temps, de donner du temps pour rencontrer des gens parce que tu as du plaisir à discuter avec eux, parce qu'ils sont intéressants, parce que tu vas avoir des échanges intéressants. Et c'est tout, quoi. Et sans attendre un retour direct. Et ensuite, t'auras c'est potentiellement... C'est la sérendipité, ça, non ? C'est la sérendipité, exactement. Et ça, je trouve que, tu vois, on a... Je sais pas si c'est... J'aime pas dire que c'est les femmes ci, les hommes ça, c'est féminin, c'est masculin. Je pense que chaque individu est différent. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que j'avais du mal à lâcher un peu prise sur le fait que, oui, j'étais potentiellement en train de perdre 3 heures, dans le sens où j'allais pas revenir auprès de ma rédactrice et dire j'ai écrit 3 articles. Mais, tu vois, voilà, y a des femmes que j'ai rencontrées qui aujourd'hui sont ministres. Donc, c'était... bien de se détendre un peu et d'arrêter de travailler. Et dans mes recherches aussi, parce que j'ai préparé ce podcast un petit peu, je t'ai écouté parler aussi, il me semble que c'était pour c'était une vidéo où tu étais chez HEC, tu parles de la mixité dans les équipes, à quel point une femme peut apporter à un homme et vice-versa. Comment t'encouragerais demain un entrepreneur qui monte sa boîte à être accompagné d'une femme ? Ah, de toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les études montrent que plus t'as de diversité dans une équipe, plus elle est performante. Donc la diversité, c'est sur le genre, c'est sur l'origine sociale, c'est sur... il faut essayer d'être un maximum divers. C'est tellement facile de tomber dans l'entre-soi. Évidemment, quand tu montes une boîte, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher l'associé avec qui t'as fait X ou HEC, qui a fait les mêmes études que toi, avec qui a le même mode de pensée du coup que toi, qui est potentiellement du même genre que le tien. Mais c'est pas comme ça que tu vas être le plus performant, parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui est ton clone, quoi. Il faut être complémentaire. Il faut évidemment réussir à travailler ensemble, donc c'est important de tester, de faire plein de crash tests pour être sûr que ça va fonctionner. Mais en dehors de ça, toutes les études montrent que la diversité est source de performance. Donc, qui qu'on soit pour aller chercher, il vaut mieux aller chercher un profil qui soit le plus complémentaire possible, quoi. Nous, chez Sista, tu vois, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui candidatent. C'est un vrai sujet de comment on va avoir une équipe aussi mixte. Et on va pas être que des femmes, parce que l'objectif, c'est pas ça. Dans nos bénévoles, il y a des hommes, donc ça, je suis ravie. Pour l'instant, dans l'équipe que je suis en train de constituer, là, j'ai recruté, tu vois, une personne en alternance et une personne en CDI, c'est 2 femmes. Il faut évidemment qu'on y fasse attention. Oh, le biais cognitif. Énorme. Non, je vais faire la même réponse que toi, c'est les entrées. J'ai pas de candidature d'hommes. C'est vrai ? Ouais. Enfin, j'en ai eu une ou deux, quoi, mais très peu. Très, très peu. Écoutez, les hommes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller postuler chez Sista. La porte est ouverte. C'est bienvenue. Et tu parles de mode de pensée et on t'a un peu évoqué le sujet dans la vidéo. Tu dis être camusienne. Ouais. Ouais, Albert Camus, c'est vraiment ma boussole en termes de réflexion sur le monde. Je trouve qu'il a une pensée, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous l'avez lu, mais... Il a une pensée extraordinaire, il a fait preuve d'une lucidité dont peu d'intellectuels de son époque ont su faire preuve. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'y a aucune idéologie qui prévaut jamais sur l'humain. Il a cette phrase qu'on lui a beaucoup reprochée, « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Ça veut simplement dire qu'une justice qui ne choisit pas sa mère, donc qui ne met pas l'humain au cœur des choses, n'est pas une justice qui mérite d'être choisi, et c'est une vision du monde que j'admire énormément. Et puis là, il a tout, quoi. Il a à la fois cette pensée incroyablement lucide que tu lis par exemple dans la lettre à un ami allemand, extraordinaire, texte extraordinaire, et puis une force de vie que tu lis dans Nos, avec cet amour de la mer, du soleil, de la sensualité. Donc j'ai énormément d'admiration pour Albert Camus. C'est des beaux mots pour conclure ce podcast. On arrive à la fin. Pelle, est-ce que tu as des choses à ajouter ? Non, mais donc là, tu as déjà eu 3 ou 4 vies. C'est quoi ta 5e vie ? C'est quoi la suite ? Aucune idée. Je sais pas ? Non, là, je vais déjà porter Sista le plus loin possible. On a quand même des belles ambitions. Je pense qu'il y a une vraie place à prendre en Europe sur le sujet. On a une manière d'aborder les choses, encore une fois, en voyant les choses de manière structurelle, en essayant d'embarquer tous les acteurs à nos côtés de l'écosystème, en se basant sur la donnée, qui est assez inédite et en laquelle, moi, je crois beaucoup. On a du boulot, comme tu l'as dit, hein, les chiffres sont encore écrasants. Donc, je vais déjà faire ça. J'ai jamais de plan de carrière. Franchement, si tu m'avais dit il y a 10 ans, tu vas bosser dans la tech, je t'aurais dit, mais n'importe quoi. Donc, je sais pas du tout.
Au jour le jour. Yes. On va finir par les quatre questions de la fin. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ma to-do list qui clignote dans ma tête. Ouais, non, j'ai un truc de... Je trouve que c'est vraiment le... Alors, je ne suis pas entrepreneur parce que je n'ai pas cofondé Sista, mais il y a quelque chose d'assez entrepreneurial quand même dans l'aventure que je suis en train de vivre. Et c'est vrai que tu es tout le temps en train de te réveiller en te disant oh, « il faut que je fasse ça » ou alors en ayant des idées. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a donné une très bonne astuce qui est « prends un carnet à côté de ton lit et note tes idées. » Moi, j'écris tout. Ouais. Si je ne les écris pas, pareil, ça m'empêche de dormir. C'est ça. Et comment déconnectes-tu et, dans le prolongement, est-ce qu'avec le lockdown, le Covid, tu as eu une volonté de retourner vers tes racines ou en tout cas d'être plus près de la nature, ce qui a pu arriver pour un certain nombre d'entre nous qui viennent plutôt de provinces ou de villes où la nature est omniprésente, contrairement à Paris. Alors moi, vraiment pas du tout. Pas du tout. J'étais très heureuse de pouvoir aller faire le deuxième confinement en Suisse parce que c'était un enfer d'être enfermée dans un appart à Paris. Mais franchement, j'adore cette ville. Non, moi, ça m'a montré au contraire à quel point j'ai besoin de la culture, j'ai besoin des gens, j'ai besoin d'être dans des rues blindées, j'ai besoin de regarder les gens dans le métro. C'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me stimule. Donc, je suis très heureuse que Paris ait réouvert, de pouvoir retourner au théâtre, de pouvoir revivre les terrasses, observer les gens dans les terrasses. Enfin, j'adore ça. Donc, pas du tout envie de quitter Paris. Ouais. Est-ce que c'était mieux avant ? Non. Vraiment pas. Ça, c'est vraiment une phrase que je déteste. et je pense qu'elle est fausse. Enfin, si tu regardes tous les indices, tu vois, évidemment, il y a encore un boulot énorme. Mais par exemple, je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleure période à laquelle être une femme et de meilleur endroit dans le monde à laquelle être une femme. Malheureusement, on voit des reculs dans certains pays, évidemment, en Afghanistan en ce moment. Dans nos pays, les choses n'arrêtent pas de s'améliorer. Ça n'empêche pas qu'il y ait encore beaucoup de boulot, mais les choses n'arrêtent pas de s'améliorer. Donc non, c'était pas mieux avant. Moi, j'adore la période qu'on vit. Je pense qu'on a les moyens de construire une société extraordinaire et qu'on y travaille tous. Donc j'échangerai ma période de vie pour rien au monde. Le petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent ? Bah, on peut souhaiter aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent de devenir des licornes. Super, c'est un beau petit mot de la fin. Voilà. Écoute, merci beaucoup Déborah d'être venue parler de ce sujet avec nous aujourd'hui. Merci à Pelle aussi. Merci à vous, Sophie, merci à l'invitation. Il y a encore du chemin à parcourir, mais on est en train de faire bouger les lignes. Chez Daphné, en tout cas, on aime bien bouger les choses et faire avancer dans le bon sens du terme. N'hésitez pas, les auditeurs, à aller suivre Sista sur les réseaux, à en parler à vos femmes, vos sœurs, mais aussi vos fils, vos frères, à tout le monde autour de vous. Suivez-nous aussi, Daphné, sur les réseaux, on serait ravis. Et puis on espère que ces épisodes vous plaisent et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.